Koh-Lanta 2020, ce nouveau commentaire d'Estelle Denis sur Claude qui ne devrait pas plaire à Raymond Domenech. Vendredi 5 juin, Estelle Denis a été déçue de voir son candidat favori perdre en finale de Koh-Lanta. Une défaite qui lui a inspiré une blague hilarante, qui n'a pas vraiment dû faire rire Raymond Domenech. Les téléspectateurs étaient tous, ou presque, pour Claude. Et ils ont tous, ou presque, été déçus, vendredi 5 juin. Le favori de cette saison de Koh-Lanta, l'île des héros, s'est en effet incliné face à Nawal. Lors de la redoutable épreuve des poteaux, Inès a été la première à chuter, suivie de près par Claude, offrant la victoire à Nawal. Nawal qui a choisi de garder Inès pour aller avec elle face au jury. Un scandale pour les internautes regrettant que la candidate n'ait pas choisi au mérite, Inès n'ayant remporté aucune victoire individuelle depuis le début de l'aventure quand Claude en a remporté 17. Estelle Denis, qui soutenait ardemment Claude, et qui avait même fait une demande en mariage au candidat sur les réseaux sociaux, après son coup de maître face à Régis, a donc interpellé Denis Brognard. Question, cher Denis Brognard, n'est-il pas temps de faire évoluer la règle de Koh-Lanta, les deux survivants des poteaux égalent les deux finalistes? Une question que se posent de nombreux internautes, et à laquelle le présentateur n'a pour l'instant pas répondu. La blague hilarante d'Estelle Denis, que Raymond Domenech ne devrait pas vraiment apprécier. Passé la déception de voir son candidat favori éliminé de l'émission, Estelle Denis a plaisanté sur la défaite de Claude avec une blague hilarante. Décidément, j'ai toujours un faible pour les perdants en finale, a-t-elle écrit, faisant, évidemment, référence à son compagnon Raymond Domenech. Pour rappel, le sélectionneur de l'équipe de France avait amené les Bleus en finale de la Coupe du Monde 2006, mais la France s'était inclinée face à l'Italie au tir au but. Raymond Domenech appréciera donc la vanne de sa compagne. Ou pas.